Bonjour, bienvenue pour cet épisode numéro 5, je crois, hein, tombe bien, hein, de Zelda, enfin de Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Alors je devrais dormir à cette heure-ci, parce que finalement, bon, j'ai fait une pause, hein. J'ai fait tous les combats, du coup on peut améliorer des trucs, j'ai acheté des trucs un peu au marché pour compléter un peu, genre je me suis acheté du miel, je me suis acheté des lézards, Donc voilà, on va améliorer ce qu'on peut. Sachant que j'améliore ça, alors que bon, super, voilà. Mais en fait, surtout, moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est que, vous voyez, en haut, bon, déjà, je me suis décalé, hein, parce que, a priori, je cacherai peut-être moins la map. Peut-être me décalerai encore un peu plus s'il faut. Mais, vous voyez, en haut, centre d'Hyrule, il va y avoir un bras levé, parce qu'on aura connecté plein de gens. Du coup, il faut qu'on fasse ça. Bon, il faut qu'on fasse un truc, quoi. Donc, nouveau cœur pour Zelda. Et surtout, du coup... Les habitants du centre d'Hyrule vous ont fait un cadeau en signe de gratitude. C'est sympa. Bon, c'est pas ouf, mais c'est sympa. On va livrer ça aussi. J'ai l'impression d'être plus forte. On augmente encore la vie de Zelda. Ah, Link, j'ai... Oui, non, Link, il me faut... ça, j'ai pas. Ensuite, Revali. Revali, voilà, combo. Combo pour Revali. Du coup, j'ai testé Revali, d'ailleurs. On dirait que ça a bien marché. C'est pas mal. C'est... Voilà. Et j'ai monté, finalement. J'ai fait toutes les... Bah, du coup, vu que j'ai fait toutes les missions, j'ai fait les missions pour Link. Donc, bon... du coup, Link est niveau 17 ou 18, je crois. Mais ça devrait aller, hein. Normalement ça devrait aller. On va faire tout ce qu'on peut, hein. Tout ce qu'on peut, on le fait. Paf. Vitesse de déplacement plus 15%. Ça peut être utile dans certaines situations. En vrai, je devrais plus ouvrir les faire les magasins et améliorer mes persos, moi. Hein. D'accord, donc là voilà, on trouve différents compos. Attendez, juste, est-ce que j'ai encore un autre endroit où... Tiens, bah voilà, Impa. Impa, let's go. Et au-dessus, j'ai un truc. J'ai un shop. Bon, Impa, d'ailleurs, du coup, j'ai pu un peu la level up. Pour justement la mettre un peu au même niveau que... Presque au même niveau que Link. Niveau 15, je crois. Ou 16. Donc, bon... trop bien, ce perso. Voilà, bienvenue au hameau des anémones. Notre boutique propose divers produits qui enrichiront le quotidien. Oui, non, mais... Salut, hein. Là c'est encore un... Ah non, c'est un combo pour l'épée à deux mains. Il me faudrait quoi? Il me faudrait du poisson. Pas un shop de poisson là? Ouais. Bon écoutez, si on a un relais là-bas que je peux faire, donc on va faire le relais. Quelle réussite! C'est fantastique! Yo! Hey, il vend des poissons. Je crois que c'est ça qu'il me faut en plus, hein. Attendez, hein. Attendez, y a peut-être moyen de faire un truc, là. Bah déjà, tiens, déjà, on va faire ça. Histoire d'améliorer un peu Mifa. Suis-je devenue plus forte? Ah oui, c'est des nouveaux combos, ça, en plus. Ah bah oui. Oui, ouais, ouais. Ah bah ah, oui, clairement, clairement, c'est cool. Et oui, on avait dit... Ah mais non, je peux... Hein? On arnaque, là. Ah non, c'est pas la bonne truite. Non, attendez. Non. Ah non, c'est pas la bonne carte. Oh. Oh. Alors que nouveau combo pour Daruk. C'est important. C'est important, oui. Très bien, bon la bouffe on verra plus tard. Étape d'Hyrule, du coup on peut partir au combat, alors non. Presque. Voilà. On va prendre Link, Mipha et Impa. Est-ce que Link on lui met la branche d'arbre? Je suis pas sûr, hein. Bon là du coup j'ai... Alors en vrai je devrais garder qu'une seule lance. Mais ça me fait kiffer d'avoir des lances différentes et des objets différents. Mais bon au bout d'un moment je vais arrêter. Hein. Au bout d'un moment quand on va arriver à 20 places d'objets différents, je vais me dire bon, faudra faire un choix. Mais bon voilà, on a l'épée. Qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends l'espadon?
Ou est-ce que je prends la lance? Ou l'épée? Non, l'espadon. L'espadon. Du coup, j'ai remis Link en caston. Voilà. Histoire de... d'être plus fidèle aux cinématiques. Et au gameplay d'entre Let's Play sur Zelda. C'est ainsi que les quatre créatures divines trouvèrent leur pilote. Grâce peut-être à l'influence bénéfique du gardien, qui avait voyagé dans le temps, l'entraînement des pilotes progressait bien, tandis que le plan de lutte contre les monstres prenait de l'ampleur. Zelda travaillait avec acharnement au réglage des créatures divines et à l'étude des reliques, mais son pouvoir du sceau, en revanche, ne montrait toujours aucun signe d'éveil. Je comprends pas trop l'intérêt de la lecture manuelle si c'est pour que j'appuie quand même sur suite. Un monde étrange qui transcende le temps et l'espace est apparu suite à l'arrivée du gardien du futur. Hein? Pardon? Oh oui, c'est vrai que je suis pas revenu sur le fait que il y avait un gardien maléfique en mode mini gardien, mais. Il ne vous adresse même pas une parole de félicitations. C'était teasé dans la démo, quoi. Non. Enfin. Il est tout à fait naturel que mon père ne soit pas satisfait. Mais, Votre Altesse. Pour le moment. Tâchons de faire ce qui peut être fait. Va trouver Mipha et Daruk. Dis-leur que nous partons demain à la première heure. Vous vous rendrez auprès des créatures divines? Bien, à vos ordres. Oh. Tiens donc. Vois-tu, d'après mon père, si mon pouvoir ne s'est pas encore éveillé, c'est parce que je ne médite pas assez. Va-t-il encore me réprimander si je me rends auprès des créatures divines? Oh. Oh, c'est toi. Maintenu là. Bon, j'accepte parce qu'on est au château. Les réglages des créatures divines sont encore loin d'être terminés. Il faut améliorer la synergie avec leurs pilotes pour qu'elles puissent déployer leur puissance maximale. Il y a encore beaucoup d'éléments qui m'échappent. Daruk, j'aurais un service à te demander. J'aimerais que tu me laisses m'entraîner avec toi. On ne sait pas ce qui peut se produire. Je veux être sûre d'être suffisamment forte le moment venu. Ah, si c'est que ça, y a aucun problème. Ah. Ouais, par contre, il faut toujours qu'on trouve le fameux chevalier porteur de la lame purificatrice. Oui. Ben moi, je me demande si Link... Oh. C'est encore vous? Cette fois-ci, c'en est fini de vous. Trop mignonne, Mipha. Mais du coup, parce qu'il me semblait que il y avait un manga Breath of the Wild qui était sorti, dans lequel Link il était censé avoir eu l'épée de légende depuis ses 10 ans, un truc comme ça. Mais du coup, non en fait. Bon. Au secours! Offensive du gang des IA. Alors oui, c'est le moment où on voit que la caméra elle cache toujours pas. Elle cache toujours une partie de la map. Bon, je réglerai ça après, hein. Au secours, voilà. Voyez la map. Mais il faut que je regarde où je tape, moi. Alors. C'est un peu la merde, là. Non, mais alors, attendez. Comment ça, Link, j'ai pas droit? Mon Link? Rendez-moi mon Link? Bon, Impa va là-bas. Ça aurait juste au moins qu'on partage un peu les...
les endroits. Mais ouais, non, elle était sympa. Elle était sympa cette cinématique. Enfin, de toute façon, pour l'instant, les cinématiques du jeu, méga quali, hein. Donc Link a quitté le champ de bataille avec Zelda. MDR. Alors qu'on voit les... Il y a Rivali aussi, j'imagine. Ouais, Rivali est là. Ah, c'est sympa, ça. En vrai, c'est sympa. Petit détail à la con, c'est sympa. Non, mais Mipha va pas là-bas. Ouais, ouais. Ah non, je me suis bourré. Là, si je fais ça, voilà. Alors, évidemment, j'ai raté. Au secours. Tu tapes. Est-ce que tu peux absorber un symbole une fois dans ta vie? Jamais, hein. Merci. Non mais parce que en vrai j'ai un peu compris. Un peu compris Impa. Et j'aimerais bien Ah mais attendez, il faut que je. De toute façon il faut que je monte ma barre de vital. Non mais. Au secours. Mais là si je peux faire un coup fatal. Vous allez voir la coup fatal pleine barre. Faudrait un groupe d'ennemis là. Petit groupe d'ennemis là. Genre là. Parce que normalement on lance qu'un tonneau. Mais là. Non. Donc déjà que c'est méga vénère quand c'est pas. Quand c'est pas level 1. Enfin quand c'est level 1. Osez imaginez un peu ce que ça donne quand c'est level. Level max. Ah non, oui, c'est ça. Ah bah évidemment. Du coup. Ok. Aïe. Aïe. Non mais... Ça y est, j'ai arrêté d'esquiver, quoi. Non mais... Non mais, tape-le. Ok. Impa, elle est où? Impa, elle est pas venue me rejoindre quand même. Non. Mais Impa, elle fait pas grand chose là. Donc va là-bas. Raté. Mauvais bouton. Aïe. Oui bah écoute, tu peux rien si tu t'aimes tes attaques comme ça toi. Hein. Tellement classe Mipha. Et Daru qui arrive derrière. Au calme. Non mais l'esquive, non mais les... Aïe. Non mais oui mais... Saloperie. Après, y a pas un délire normalement que je me soigne près de mes fontaines. Non? Jamais hein. C'est que mes alliés que je soigne visiblement. Ah oui non mais je suis dans le camp oui. C'est bon. Non mais. Hop. Non mais, s'il te plaît, fais ton saut mural. Jamais, hein. Jamais. Non, il faut pas que je fasse ça. Au secours. Trop tard. Mais bon. Je peux? Non, jamais.
J'ai voulu faire un saut mural, hein. Mais jamais. Hein. Boum. Ok. Alors maintenant, Mipha, tu vas aller là. On va s'occuper d'Impa. Mais il est où mon Link là? Aïe. C'est pas le bon bouton. C'est pas grave. C'est pas grave, ça marche quand même. Non mais Impa, hein, décidément. Impa best girl, hein. Bon, en vrai c'est Mipha, mais là dans ce jeu c'est Impa. Et je dis ça et Mipha on l'a toujours pas vu dans le let's play. Hein. Les auras c'est les derniers que j'irai voir en plus. Pour le con. Faut vous spoiler, hein. Mais c'est pour le challenge. Je justifierai juste que c'est pour le challenge que je fais ça. Histoire de galérer le plus longtemps possible. Allez, hop. Après ce jeu, il me donne envie de relancer Breath of the Wild. Hein. Même si, bon, pour l'instant, je m'amuse bien. Hein. Pour l'instant, je vais dire... je m'amuse bien. En même temps, il faudra que je fasse une pause un jour, mais pour l'instant, on n'y est pas. Donc toi, Impa, tu... Ah ouais, on va voir le mobile bleu. On retourne s'occuper de Mipha. La Mif. Non, les bombes. Et paf. On voit pas tant de membres du clan des IA là. Hein. Enfin, du gang des IA. Un jour j'y arriverai. Hein. Un jour je dirai gang au lieu de clan. Mais c'est les clans Sheikah aussi. Hein. Pas le gang des Sheikah. Là, je vous coupe l'herbe, on sait jamais. Ok. D'ailleurs, c'est... Attendez. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Et là, j'ai un truc, non? Pas du tout. Juste, je vais vérifier ça. Non, c'est 4. C'est 4 son max, ok. Voilà, ça, c'est le nouveau coup que j'ai débloqué. Très bien. Du coup toi, on va laisser Mipha là-bas en fait, pour le con. Ça marche très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Non mais ça marche très bien. Il y a encore une part de choses que je maîtrise pas, mais... Mais je commence à peu près à m'y faire là. Et bah là surtout quoi, c'est bon, on a tous nos clones. Voilà. Le coffre. Parce que là, bon, notre puissance d'attaque, c'est pas qu'elle est décuplée, mais un peu quoi. Et du coup, on a dit qu'on allait là-bas. Ah, mais il y a un fort, oh là là, mais il y a plein de trucs en fait. C'est quoi? Alors, vite, juste pour pouvoir profiter de. Du tonneau. Normalement, ça devrait faire des dégâts quand même. Bon, ça a nettoyé la zone. Toujours ça. Ouais, ouais. Je me le prends en plein. Hein. Nimpo, clone à queue. Oh, mais ce perso, voilà. Hein. Ce perso, il a tout pour me plaire en même temps. Il est fait pour les fans de Naruto. Ouais, ouais. Ouais, salut, toi. Ah oui, non, c'est mon...
c'est mes sauts qui font vrai. Alors. Tandis que j'ai un objectif en réalité. Hein. Aïe. Bon, au moins ça l'a affaibli. La bonne nouvelle, ça l'a affaibli. Alors juste, parce que là ça sent le korogu ou le coffre. Et y a rien du tout, c'est ça? C'est ça la blague? La blague c'est qu'en réalité y'a rien du tout. MDR. Non mais... Avec les bombes à distance ? Casse ça au moins. Même pas. Eh, y'avait le clan Sheka, le symbole du clan Sheka. Hein? Mais... D'accord, c'est son enchaînement de base, ok. Est-ce qu'il y a une histoire de parade, mais c'est qu'avec le bouclier ça ou pas? C'est pas clair. Ça c'est le truc qui est pas clair. Moi je pense que c'est qu'avec le bouclier du coup. Parce que j'avais essayé de le faire avec l'espadon de Link, mais il avait pas l'air motivé Link. Donc faudra que j'essaye avec le bouclier. Donc toujours pas là quoi. Toujours pas quand je joue à Link. Ok. Pour l'instant, ouais, Mipha, elle est très bien là où elle est. Hein. Parce que je pense que les portes vont s'ouvrir derrière. Ah, mais ça va pas le toucher. Eh bah ouais. Parce que je suis collé à lui. Non, mais tu peux pas. 2 heures à faire ça. 2 heures à faire ça, quoi. Au secours. 2 secondes, hein, je m'occupe de son pote. Voilà. Alors, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais appuyer sur R. Mais il a pas voulu, genre. Ok. Et effectivement, ça sauvera des deux côtés. Donc, Impa, tu vas là. Et on retourne avec Mipha. Et toujours pas Link, hein. Toujours pas de signe de vie de Link. Un jour. Secours. Non. Il y avait un truc que je voulais dire, je sais plus ce que c'est. Ça me reviendra. Mais ah oui, si, bah justement, c'est par rapport au fort. Je trouve ça pas mal en vrai que. Avant, dans l'ancien Hyrule Warriors, et dans quasiment tous les Warriors que j'ai pu faire, même si j'en ai pas fait des masses, mais voilà. C'était le principe de. T'as un boss de fort à la fin de ton fort, et tu le bats, et tu tues tous les ennemis. Je trouve pas mal qu'il soit revenu sur ce principe et que t'aies un boss qui apparaisse à un moment donné là quand tu commences à bien déglinguer le fort. Et que ce soit vraiment lui le boss du fort. Et donc que ce soit vraiment un boss quoi, pour le coup. Et pas juste un ennemi un peu plus. Un poil plus vénère qu'un mob standard mais globalement nul quoi. Parce que bon là oui, vous me direz c'est un ennemi un poil plus fort qu'un mob standard mais globalement nul. Mais au moins il a une vie. Enfin, c'est un vrai combat, disons. Bon, sauf si tu fais ça. Quel connard. Mais bon, voilà. Après, ça c'est pas ma faute si... Si je misclique et que du coup, je fais des trucs qui sont trop forts pour les mobs, quoi. Non mais... Eh ouais, bah oui. Ah mais non, c'est bon. Parce qu'en l'air, je ne peux pas esquiver. Sauf éventuellement peut-être Evali, d'ailleurs, je sais pas. je crois que ça c'est mon jeu préféré en fait. Mon jeu dans le jeu préféré c'est ça. On a pas vu de Korogu d'ailleurs.
dans cette zone. M'inquiète. Une sauterelle. On va arrêter. Ok, qu'est-ce qu'elle fait? Non, Impa, s'en sort. Hein. Bonjour. D'accord. C'était un prank. Vous savez bien qu'il y avait une icône d'ennemi. Ok. Bon bah pareil, tu vas rester là, hein, Mifa. Et let's go. Aïe. Mais incroyable, hein, d'aussi mal timé. Bah ouais, mais non, c'est nul. Ah ouais, c'était bien nul, ouais. J'aimerais y voir. Au secours. Je sais passer à dépasser mon contrôle. Une fois de plus. Ok. Mais... contre qui ils se battent là? Le mec du gang des IA. Par contre, bon, c'est pas par là. Quoique, ici, il y a un truc. En vrai, ici, il y a un truc. Ouais, non, mais ici, oui, il y avait un truc, non? Bah, ça, plutôt. Je crois que c'est ça, plutôt, ouais. Ouais. À la recherche des Korogu, hein. Moi, je reste en recherche de Korogu. Par contre, du coup, on va devoir se taper tout le chemin avec Impa. Mais elle devait pas aller au fort? Je lui avais dit d'aller au fort, à la base. Non? Ah non, j'avais dit d'aller au Moblin qui était au niveau du fort. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça qui s'est passé. Bon, salut. Évidemment. Je peux pas activer ça à distance, hein. Non mais tu veux pas? Merci. Bam. Éradiqué. Bon là sur le chemin il y a un petit Korogu. Que dalle. Bon, je peux détruire toute la faune et la flore mais... pareil là. On dirait qu'on peut y aller mais on peut pas. C'est terrible. Ok. Sachant que c'est toujours pas par là l'objectif. Hein. Bah bon. Là je peux pas rater l'ennemi. Il y en a trop. C'est un délire comme j'aime trop ce perso. Genre trop bien ce perso. Ouais là la barre du fort baisse plus. Hein. Ok. Donc ouais voilà, c'est vraiment le boss quoi qu'il arrive. Non mais. La touche R. Bam. Mais non. Et j'appuie sur A. C'est pour ouvrir les coffres. Évidemment. Mais pas un petit camp là? Pas un petit camp de mob à détruire là? Oh là c'est juste l'objectif. Bon. Ça me va aussi hein. Salut! Revali continue. En fait ça va, il donne pas que Link, il donne tout le monde. Finalement, ça le rend pas moins insupportable. Non mais après en vrai, bon. Il a pas un mauvais fond Revali. Juste bon, et insupportable. Juste envie de lui mettre des claques, mais sinon ça va, hein, il est sympa. Non, par contre jamais les esquives. Pas hein. Enfin, les esquives parfaites jamais. Hein. Très bien.
Vous se calmez là? Calmez-vous les gars. Ok. Ah mais là il y a un camp. Là il y a un camp de mobs là. Il y a un truc à détruire là. Mon radar s'affole. Ok. Bon du coup Mifa va pouvoir avancer. Là il y a un Korogu. Apprenez les Korogu. Découvrez les Korogu. La question c'est combien on a d'ailleurs de ces saloperies là. Je sais pas si j'ai très envie de le savoir mais... Toujours pas. Hein. Là ça marchait mais... Toujours pas le bon bouton. Toujours pas la bonne exé. Un jour. Trop bien ce perso. Bon tu m'as énervé. Ah, un signe c'est qu'une bombe quand même. Ok. Donc non, j'avais deux signes. Ouais, là j'ai deux signes là en tout cas. Non mais on avait dit le truc à détruire. Le truc à détruire. Tout détruire, tout casser. Les bombes. Ah mais non, c'est pas un truc à détruire. Oh, je suis déçu. Bon, je vais quand même utiliser les bombes. À distance au cac. Oh, y a un mec vénère, là. Enfin, ces attaques-là. Je crois que... Je me demande si Impa, elle peut pas esquiver à en l'air, elle. Pour le coup. C'est combo. C'est combo. Non. J'ai voulu reculer pour pouvoir faire le R, mais... Par contre, jamais point faible. Point faible, jamais. Jamais. Ouais, ouvre les coffres. Y'a rien d'autre. Bon, là, ici, y'a cette zone-là, mais... Ok. Non. Toi, reste par là. Maintenant, on passe à Mifa. Alors bon, je suis pas... Techniquement, je pourrais juste aller aux objectifs directement. Hein. Il y a aussi ce petit plaisir... Quoique non, bah l'objectif c'est avec Mifa, mais... Bon, c'est vrai que c'est pas de taper le mob, là. Mais... Je me sens obligé. Je me sens obligé de tout taper dans les musseaux. Ah, d'accord. Bah, tu t'es même fait massacrer, mais... Enfin, massacrer, non. Pas le mot. Non mais... J'ai dit... D'ailleurs, j'ai vraiment un peu... Oula. J'ai vraiment l'impression que Eucynthis fonctionne vraiment comme dans le jeu de base. Genre les dégâts sont... C'est vraiment le cumul de tous les dégâts que tu lui mets quoi. Ce qui est logique hein mais... Alors, ça coule quand même. C'est pas un truc précalculé en mode si tu fais cette attaque tu peux faire tant de dégâts machin. Enfin, basiquement si mais... Donc sur le principe je trouve la façon dont c'est du coup ça avance sur la barre j'aime bien. C'est un truc que j'aimais bien dans Breath of the Wild. Hein. Salut. Ok. Donc là, il y a cette zone là. Et Link un jour? Est-ce que Link va revenir, pensez? Est-ce que vous pensez qu'il y a Link dans ce jeu? Ok. Non mais, le Korogu.
Bon, par contre, voilà, on n'a pas les épreuves, hein. À part... À part un Korogu qu'on sait pas, hein, on sait pas pourquoi, mais il a jamais voulu venir. Généralement, les Korogu, juste appuie sur le bouton et c'est bon, quoi. Bon. On reprend une part. Je pense que de toute façon on va finir le combat avec avec Impa pour le coup. Eh mais il y a du monde là. Ouais non mais Osef. Osef on avance. Let's go. Ah oui je viens de prendre le temps de l'épisode. Oh. Salut toi. Salut copain. Oh, t'as de la chance que j'ai pas Link, hein. T'as de la chance que j'ai pas l'arc, hein. Sinon, je me serais amusé, hein. Non, tu peux. Trop tard, hein. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais... Quand même des petits dégâts sympathiques, hein. Ah, on l'avait peut-être pas vu celui-là. On l'avait vu ce move-là? Sûrement, en vrai, mais... En vrai, normalement, oui, mais... Enfin... Pas cet enchaînement-là. Aïe. Bon. C'est quand même vénère, hein. Je crois que... Ouais, il est limite plus vénère d'ailleurs que... Un peu plus vénère que dans Breath of the Wild, hein. Enfin, il attaque un peu plus vite, quoi. Bam. Trop fort. Non mais Impa, hein. La gérance Impa, quoi. Bon. Du coup maintenant il est où le prank? Là il va falloir revenir backup direct. Alors attendez hein. Je prépare, je mets Mifa là-bas. Mais à mon avis j'ai réagi trop tard. J'aurais dû pré-shot avant. Ah, mais c'est le retour de Link. Oh, tout de même, au secours. Bon, alors, attendez. Ah, je peux pas. D'accord. Ah, c'est marrant, ça. Du coup, ouais, voilà. En fait, vraiment, tu fais la mission avec tous les persos. Non, mais... Bah. Et du coup après on a Link. C'est... Non mais j'ai... Ouais, c'est marrant comment c'est fait. Pour le coup. Alors sûrement fait là pour le dans Dot Warriors hein, de ce côté là mais... Mais voilà. Je trouve qu'en termes de narration ça a du sens hein, aussi. Bon alors Supa t'es qui toi? Parce qu'on te connaît pas hein. PTDR on te connaît pas hein. Donc soit t'es mort, soit t'as été créé spécialement pour le jeu quoi, soit les deux. Mais techniquement je pense pas, techniquement normalement Supa est censé du coup être canon, parce que peu importe que le robot il soit là, ça influe pas sur le fait que Supa il existe normalement, en fait, ça devrait pas influer, disons, pour le coup, a priori, sauf si on apprend plus tard que... sa venue est due à ça, mais bon. Non mais...
Voilà. Ouais, faudra apprendre à esquiver un jour. Bam. C'est bien de le toucher. Par contre, sa barre de vie là, on en est là. Hein. Boum, boum, et bam. Non mais, ah oui, si. Ah, par contre, trop vite là, trop rapide là. Bam, 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 bam. Donc finalement ça va, Link a beau avoir un peu plus de level que ce qui est conseillé, on n'est pas en train de one-shot l'ennemi non plus quoi. Ah, est-ce que je l'ai visé? Oui. Ah peut-être que quand il mange des trucs là, il est en train de manger des trucs armaux. Non pas armaux. Si armaux. Non mais... Il a jamais voulu faire les bombes. Il a jamais voulu faire les bombes. Allez, salut hein. C'est fini. Allez, oust. Ah, c'est ça hein. Faut qu'il se calme le gardien. Zelda serait pas morte à ce moment-là normalement. Ce sera plus difficile que je l'imaginais. Il suffit d'un rien pour que change l'avenir. Giga, replions-nous. Link. Ah ouais, niveau 20 mon Link. Ah ouais. Au niveau 21 du coup maintenant. Et bam. Ok. Ah bah voilà, tiens, les princesses de la Sénérinité. Parfait. Nickel. Bon. Tandis que le gardien qui empêche Link d'avoir un merci. Même pas un merci pour tout ce qu'il fera pour Zelda. Faut que j'arrête. Ce gardien est une trigger pour l'instant. j'arrive pas à savoir quoi en penser de ce gardien. Tout comme le fait, bon, Soupa, il a parlé du fait de changer l'avenir, donc il est au courant de certains trucs, mais... Mais à quel point... Au secours. À l'aide. Faut se calmer. Faut se calmer. Le jeu. Je veux trop de trucs, là. Libération de la forêt Korogu. Non, pas... Les détails. Non, pas de détails. Oui, fais ça, ouais, l'entraînement d'Impa. Non mais attendez, parce que là j'ai vu deux trucs qui me trigger, il y a ça déjà. Nombre de cœurs de toute l'équipe. Ah ouais. C'est cool. Et ça du coup, Daru Cœur Max. Non, c'était ça. Aux commandes de Varudania. Ah ouais, Alors attendez, c'est un truc de scénario ça ou pas? Attendez, on le fait là,
Comme ça, je vois si je peux faire ça en off ou pas. Hein? Parce que je vous avoue que comme c'est pas ma grande passion pour l'instant de piloter les créatures divines, je préfère le reste du gameplay globalement. S'il n'y a pas de cinématique, on va se permettre, histoire encore une fois de fluidifier un petit peu le gameplay et le let's play surtout. Le gameplay, bon, voilà. Le let's play et d'avancer à peu près vite. À peu près, hein, parce que là je dis ça. On est à quoi? Bon, il y a écrit 6 heures de jeu, même plus maintenant, mais. On est à quoi? 4 heures de let's play? Un peu plus quand même. Voilà, non mais. Éliminer beaucoup d'ennemis. Ah ouais, 4000! Ah ouais, c'est la. C'est l'éclate! Non mais. Surtout comme je l'ai dit, bon. C'est pas que ça me passionne pas, mais. Mais il y a des phases de gameplay que je trouve un peu plus intéressantes, quoi. J'imagine que c'est ça que tu dois pouvoir contrôler au gyroscope. Non mais. Bam! Après, j'ai quand même du mal à esquiver toutes les attaques. Hein. Ça paraît quand même compliqué. Hein. Mais bon. Alors là, j'ai le coup fatal. Il faut que j'attende qu'il y ait des ennemis quand même. Mais du coup, c'est bon. Du coup, ça, ces phases-là, je vous les ferai. Enfin, après, en vrai. Du coup, j'aurais pas dû faire Varudania parce qu'on l'a déjà vu. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant? De toute façon, je veux dire, à mon avis, on fait ça parce qu'on va avoir une phase dans le scénario. On aura à jouer avec les différentes créatures divines, je pense. Donc, on verra. C'est lesquelles qu'on a pas vu? Vanaboris et Vamedo? Je crois que c'est Vanaboris et Vamedo. Je prends cher là. Ah ouais, par contre, mon nombre de KO. Hein. Ah, c'est la fête. C'est complètement la fête. Hein. Ah, petit nettoyage. Ah, et j'ai un temps imparti, j'avais pas fait gaffe. Hein. Non mais... Ok. Tac. Bon après, ceci dit, on détruit tellement d'ennemis à la seconde que... Voilà, la moitié du temps imparti s'est écoulé, quoi. Bon. Est-ce que ça va poser problème, quoi? Donc ouais, non, je pense que je ferai toutes les créatures divines en off. Au secours. Par là. Et histoire de. Voilà. Parce que je suis pas sûr que ce soit très passionnant à regarder ça. J'avoue que. Par contre, ce qui va être très passionnant, c'est ce demi-tour. À la recherche des ennemis qui nous manquent. Voilà. C'est bon. J'ai eu peur que ce soit plus long. Ah, c'est un vrai plaisir de te piloter. Ouais. Alors. J'avoue que, hein, vraiment, c'est... Bon, ça va que c'est pas long, en fait. J'ai pas regardé ce que j'ai loot. Ah oui, c'est vrai que d'ailleurs, j'ai loot un truc. C'est une pierre qui vient d'une autre dimension. Donc, je sais pas s'il y a des objets à analyser en termes de lore dans le jeu. C'est peut-être juste des clins d'œil, je ne sais pas. Bref, en tout cas, on va s'arrêter là pour cet épisode. On a toujours pas terminé le chapitre 2, hein. Je crois. On est rentré dans le chapitre 3, je crois pas, hein. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que j'ai une info? Ouais, si, on est rentré dans le chapitre 3. Si, d'accord, on rentre dans le chapitre 3, là. Ok. Bon, sachant que, ouais, il y avait un ordre. Hein. Visiblement, il y avait une sorte d'ordre. Hein. Bon, on n'a pas fait l'ordre. C'est pas grave. C'est pas très grave.
Hein, écoutez, voilà, on s'en remettra. Et donc, ok, la prochaine fois, j'imagine qu'on va aller chercher l'épée de légende. En vrai, en termes de niveau conseiller, Link, il est bon. Hein. Faudrait peut-être que je level up un peu les autres persos. Enfin, je leverai après sûrement les autres persos. En attendant, moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de ce let's play sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Moi, je vais faire des combats de mon côté. Je sais pas si j'aurai fait tous les combats d'ici le prochain épisode. Mais en tout cas, j'en profite aussi pour dormir. Voilà, tout simplement. Bref, en attendant, portez-vous bien. Bye bye.